Je voudrais vous dire que je suis très content des résultats qu'on a obtenus avec le programme Savoir Maigrir, mais je crois que ce n'est pas bien que je vous le dise moi. Je pense que ce qui est mieux, c'est de vous montrer des gens qui l'ont suivi et leurs témoignages qui sont totalement authentiques. Écoutez. Ça me fait super bizarre de voir ces deux photos côte à côte parce qu'en fait, c'est la première fois que je les vois côte à côte. Donc, il y a une photo de moi avant et une photo de moi après et je ne les avais jamais vues à côté. Et là, je prends la mesure du chemin parcouru et ouais, j'ai perdu 47 kilos et je sais même pas combien de taille parce que ça fait du 56 au 40 et je reconnais que du coup je suis un peu émue parce que je les avais pas vus côte à côte. Et même si je me vois dans ma glace tous les jours et que je vais me chercher des nouveaux vêtements et voilà, que je fais plein de choses et qu'on me dit waouh, t'as maigri, ben je me rends encore pas forcément compte tous les jours. Je pense que j'ai pas encore la bonne image de moi. Mais alors là, de me voir et de voir les deux côte à côte, ouais, c'est ouais, merci du cadeau, sortez-moi un mouchoir. Ouais, là, j'ai assuré grave quand même. Oh mince. Ah bah du coup, c'est vrai que le matin, dans la glace, maintenant, quand je me regarde, c'est quand même beaucoup plus agréable et moins douloureux. Hein. Je peux me maquiller, je peux me regarder. Oh, je suis une fille. Ouais, je rentre dans des vêtements que j'ai choisis et que j'ai vus en vitrine. C'est quand même une autre vie. C'est plus facile. J'ai envie de dire aujourd'hui aux personnes qui peuvent se retrouver dans une situation, on va dire, inconfortable, où elles ne se sentent pas bien dans leur peau, que c'est possible, que la chirurgie n'est pas une obligation ni une fatalité. On peut très bien perdre 20, 30, 40, 50 kilos juste en ayant vraiment envie de le faire. Il faut s'accrocher parce qu'évidemment, quand on commence, on se dit qu'on fait face à une grande montagne, qu'il va falloir la gravir. C'est vraiment possible. Faut s'accrocher, faut penser à ce qu'on a envie d'être, à la finalité et garder ça tous les jours au quotidien et ça va se faire et c'est la bonne méthode et il n'y a pas de raison si ça m'est arrivé et que j'ai réussi à le faire, vraiment c'est possible pour tout le monde. Il n'y aura rien d'impossible, au contraire. Si vous avez aimé cette vidéo, alors vous la likez, vous la partagez et même vous vous abonnez. Et si vous voulez vous aussi des conseils personnalisés, alors vous pouvez faire un bilan minceur gratuit ici. À très bientôt.